On vient donc de vous confier un projet de groupe pour la classe. Le travail de groupe requiert certaines stratégies et compétences que le travail individuel ne requiert pas. Ce guide peut donc vous aider. Il fournit les conseils et les techniques dont vous avez besoin pour vous assurer que votre projet est réussi et que vous tirez le meilleur parti de votre expérience de travail en groupe. Lorsque la plupart des étudiants effectuent un travail de groupe, ils se répartissent la tâche, travaillent de manière indépendante, puis essayent de combiner les résultats pour obtenir quelque chose d'apparence rapiécée. Imaginez que l'on vous ait confié un projet consistant à écrire une histoire en groupe. Si chacun d'entre vous écrivait 2 pages indépendamment, sans planifier l'intrigue, les personnages ou le cadre, vous auriez une histoire extrêmement confuse. La clé est de travailler en collaboration plutôt que séparément. Dans le travail de groupe collaboratif, tout le monde travaille ensemble, partageant les informations, co-créant des connaissances, exploitant les forces, développant les capacités. C'est une expérience bien plus gratifiante et productive. L'équipe crée une histoire vraiment cohérente en planifiant l'orientation, en créant une structure et en combinant tous les éléments de la mission en un ensemble tout clair et logiquement connecté. En partageant les connaissances, chaque membre de l'équipe apprend davantage et entend des idées et des points de vue auxquels il n'aurait peut-être pas pensé seul. L'histoire devient ainsi plus riche et plus percutante. Voici comment le travail en groupe vous est bénéfique. Il offre la possibilité d'explorer un sujet ou une idée sous plusieurs angles. Il offre la possibilité d'interagir avec des pairs et des points de vue différents. Il vous aide à créer quelque chose de plus grand ou de meilleur que ce que vous auriez pu faire tout seul. Par conséquent, vous élargissez vos horizons en vous inspirant de diverses idées et perspectives. Vous renforcez vos compétences interpersonnelles, de planification, d'organisation et de leadership, et vous enrichissez votre apprentissage et vos résultats en co-créant des connaissances et des ressources avec d'autres. L'apprentissage de ces compétences vous préparera à tout travail de groupe futur que vous pourriez rencontrer, que ce soit à l'école ou sur le lieu de travail. Le travail en groupe est très complexe et les étudiants le trouvent parfois écrasant, mais ce guide vous aidera à développer les compétences fondamentales dont vous avez besoin pour réussir. Ces compétences sont regroupées dans 3 domaines clés. Comprendre l'équipe, communiquer efficacement et planifier le projet. Ces éléments se complètent de manière continue tout au long d'un projet de groupe, au fur et à mesure que vous développez vos compétences interpersonnelles et gérez les résultats du projet ensemble. En participant à une expérience de travail en groupe, vous obtiendrez un meilleur résultat et un espace plus inclusif pour tous.